Salut à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça va être une sorte de suite de mes cadeaux d'anniversaire puisque j'ai rencontré une abonnée hier. Je vous montrerai une petite photo de moi et cette abonnée, c'était vraiment une super rencontre. Donc Virginie, j'ai pu la rencontrer, c'est une abonnée qui me suit depuis quelques temps je pense maintenant. Et on habite en fait pas très très loin l'une de l'autre, on se parlait beaucoup via Facebook, elle a eu un bébé très peu de temps après moi, donc voilà, plein de choses en commun. Et du coup on a pu se rencontrer et elle a été juste folle, elle m'a ramené ça. Alors moi j'avais un petit truc à lui donner, mais alors pas grand chose à côté de ce qu'elle m'a prévu. Alors elle m'a dit c'est pour ton anniversaire, c'est voilà parce que j'avais envie de te faire plaisir, c'est trop gentil, je te remercie encore Virginie de tout mon cœur, mais je t'avoue que je suis hyper gênée parce que voilà, il y a trop de choses. Elle vient de rentrer de Montréal, donc d'où le sac Bath & Body Works. Et puis bah voilà, je vais ouvrir ça avec vous en direct puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Je commence par le premier paquet qui est, il y a écrit pour toujours être belle. Alors j'ai pas du maquillage, je sais pas du tout ce que ça peut être. Elle a enveloppé tout, une sorte de mini soir. Et qu'est-ce qu'elle... Oh là 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 là, mais elle a mis trop de choses, elle est dingue. Elle a mis des produits CoverGirl, donc elle a mis un mascara, le The Super Sizer. Et je ne l'ai pas du tout acheté quand je suis allée à New York l'année dernière, de CoverGirl. Alors il a l'air vraiment génial, j'ai hâte de tester. Et elle m'en a acheté un autre de chez Revlon que je ne connais pas du tout, qui est le Lash Potion. C'est un mascara waterproof, donc alors là je vais tester volume et longueur résistant à l'eau. Alors ça c'est dingue, si ça fait vraiment volume et longueur ça serait top. Et celui-ci il y a écrit plus de volume d'un coin de l'œil à l'autre. Et bah écoute c'est prometteur mais c'est juste dingue. Ah elle m'a mis un petit baume EOS et je les aime beaucoup ces petits baumes là. Celui-ci était fruit de la passion donc bah c'est super cool. Et voilà, c'est top, top, top. Merci, merci Virginie, mais t'es juste dingue. Dingue, dingue, dingue. Et elle m'a ramené... Ah, oh, c'est trop bien. Elle m'a ramené une sorte de Tangle Teaser de la marque Goody Tangle Fix. Je ne connais pas du tout. Elle a une très, très jolie couleur, une sorte de bleu-vert, là. Très, très beau, avec des picots noirs. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, parce que la luminosité n'est vraiment pas top. J'ai pas encore reçu mes éclairages, donc bon, j'ai hâte de recevoir les éclairages. Et bah écoute, j'ai hâte de tester parce que j'en voulais une. Je sais pas si t'avais vu dans ma wishlist, mais je voulais une Tangle Teaser. Donc Et elle m'a pris, oh elle est juste trop bien, une huile de la marque Mavala, une huile sèche-vernis. Je la connais pas du tout celle-ci, donc je vais la tester avec grand plaisir. Mais c'est juste une folle, celle-ci je l'ai jamais testée et du coup je vais pouvoir comparer au sèche-vite. Je continue avec le deuxième paquet, mais déjà, elle a été juste dingue. Elle m'a mis donc bonne dégustation. Et elle a mis, PS, ma fille a tenu à faire un dessin. Alors, je garderai précieusement le petit dessin de sa fille. Ça me fait plaisir. J'imagine que ça doit être des sucreries, peut-être des sucreries qui viennent du Canada. Je ne sais pas du tout. Mais Virginie, t'étais vraiment pas obligée de penser à moi là-bas, il fallait poursuivre ton voyage pour toi. Alors, elle a super bien enveloppé tout ça. Oh, eh bien dis donc, il y a des trucs que je connais pas. Alors, il y a des Reese's et ça, j'adore les Reese's, hein, vraiment. Là, c'est un paquet de 3, donc c'est juste top. Merci, 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 j'adore ça. Et elle m'a mis, pour celles qui connaissent pas les Reese's, c'est du chocolat et à l'intérieur, il y a du beurre de cacahuète. Et ça, je ne connais pas, le O. Henry Big Crunch Cookie Bar, très croquante, avec biscuits. Oh, j'ai hâte de tester ça. Très très bientôt, il y a une vidéo justement qui va arriver avec dégustation des petites gourmandises américaines. Puisque quand j'avais été aux États-Unis, j'avais des gourmandises et je ne les ai toujours pas mangées, c'est pour vous dire. Sauf les Reese's, j'avoue que je les ai mangées. Hein. Mais du coup, je suis super contente. Là, je vais pouvoir tester une nouvelle chose que je mettrai sûrement dans ma vidéo aussi. Ça arrive très très prochainement.
Je continue, elle m'a fait un grand paquet comme ça en espérant que tu fasses de jolies choses. Vu l'épaisseur, je suppose que ça doit être des choses de scrap. Donc je dis ça, mais de toute façon, je me trompe. Hein. Et non, je ne me trompe pas. Ah, c'est trop bien! Et c'est juste génial parce que je vois qu'il y a des choses que je n'ai pas du tout. Je vois qu'il y a les stickers d'Halloween et ça j'en ai pas du tout du tout du tout dans mes trucs de scrap. Mais pas du tout, donc ils sont super beaux, ils sont hyper sympas. Oh, top top top, donc ça c'est vraiment parfait. Je sais pas où mettre tout ça. Hop, je le prends là. Elle m'a mis des petits stickers, ils sont trop beaux, je sais pas du tout. Ah bah, elle a trouvé ça au Dollarama et en fait c'est un magasin que j'ai adoré au Canada. Dollarama, eh mais c'est juste, mais t'es trop dingue parce qu'au Canada, j'avais adoré le Dollarama, c'est trop mignon et du coup ça coûte 1,25$. Et là c'est des sortes de stickers animaux, un peu cristal, un peu effet brillant, je sais pas si vous verrez quelque chose. Il y en a plein, mais t'as été folle. Ah, oh, trop bien. Trop bien. Mais il y a tout ce qu'il faut là-bas au Canada pour faire du scrap. Donc elle a trouvé des lettres de l'alphabet, mais du coup de tailles différentes, avec des couleurs différentes, des petits alphabets, des majuscules. Ah, trop bien, des petits mots, birthday, des lettres encore. Ah, mais ça c'est trop, trop bien. Ça, il n'y a pas, je ne l'ai jamais vu ici en tout cas. Donc de la marque Craft, et c'est toujours de chez Dollarama. Elle m'a trouvé des petits stickers bébés avec des... Comment dire, des biberons, des petits papillons, des petits nounours de la marque Momenta. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas dit les marques. Bon, vous avez vu. Et des lots encore de stickers. Alors, elle a bien compris. Elle me connaît, Virginie, que j'adorais les papillons. Hein. Je crois qu'elle regarde vraiment toutes mes vidéos. Mais là, du coup, elle m'a pris plein de stickers papillons et ils sont vraiment trop magnifiques. Et des stickers un peu sur le thème de Noël avec des flocons de neige. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais c'est trop, trop joli. Ils sont blancs et un petit peu argentés. Mais waouh, t'as trouvé des trucs de fou. Et j'ai vu là qu'il y avait un petit paquet de stickers tout seul qui était perdu. Celui-là, il vient de chez Action, je connais. Mais j'ai pas du tout cette petite plaquette. Donc c'est cool parce que c'est encore des petites choses pour le scrap. Et du coup, c'est top, 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 top. Merci, merci Virginie. Ouf. Merci, merci. Oui, je répète tout le temps merci, mais en même temps, c'est normal. Hein. Quand on pense à moi, ça me fait vraiment toujours hyper plaisir. Alors, là, tu m'as mis un paquet comme ceci en m'écrivant, en espérant que ma sélection te plaise. Mais je sens qu'il y a plein de produits. Tu as été vraiment folle. Elle me dit, en arrivant, quand on s'est rencontrés, elle me dit, j'ai un petit quelque chose pour toi. Tout ça, c'est pas un petit quelque chose. Hein. C'est un petit peu beaucoup de choses. Oh là 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 là, oh mon dieu, elle a mis un produit de chez Bath & Body Works qui est le Cozy Vanilla Cream, qui est comment dire un pouce-pouce pour les mains qui se transforme en mousse quand vous appuyez dessus. Ah, ça sent super bon, mais en fait comme le dessin quoi. Ça sent le produit un peu hyper vanillé, mais un peu chocolaté. Voilà. Vraiment, j'ai hâte de l'utiliser. Merci, mais t'es juste dingue, 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 dingue. Elle m'a mis un gel douche, le Wild Madagascar Vanilla, que je ne connais pas du tout, du tout. Et elle m'a mis des brumes. Mais t'es juste une dingue. Tu m'as mis deux brumes. La Autumn Day, Perfect Autumn Day. Oh, ça sent trop bon. Et j'aimerais vraiment savoir ce que toi tu t'es prise pour... N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour nous dire si t'as pris les mêmes choses pour toi ou pas. Mais c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit ton mari, il se demandait pourquoi tu prenais des fois deux exemplaires. En tout cas, celle-ci, elle sent très très bon. Je la connaissais pas du tout. Et la Cashmere Glow. Oh, et t'as choisi des odeurs hyper sympas. Pas trop sucrées, hyper douces. Ah, j'adore. Ça va être parfait pour le moment, là, ça va être top. Mais t'as été juste une dingue, acheter autant de trucs pour moi, mais t'aurais pas dû. Tu m'as mis pour ta princesse. Honnêtement, je te revaudrai ça la prochaine fois qu'on se voit. J'essaierai de me rattraper avec des choses d'ici, hein, que je vais pas aux États-Unis d'ici là. Mais honnêtement, t'es juste une dingue. Donc pour ma poupette, oh, c'est trop mignon, t'as pensé à elle.
Un petit pyjama tout fleuri, tout girly. Oh, trop mignon, koala baby. Du 6 mois, bah, du coup, ça va lui aller tout de suite. Ça va être parfait puisqu'elle vient d'avoir 6 mois. Et du coup, c'est la marque que vous trouvez à Toys R Us, je pense. Et koala baby, bah, je ne connaissais même pas. Je savais même pas qu'on pouvait acheter des trucs à Toys R Us, des vêtements. Elle est trop, trop jolie. Donc, ici, comme ça, devant fleuri avec des rayures et tout derrière, tout fleuri. Je vais la laver tout de suite et je vais lui mettre assez rapidement, comme ça je te montrerai via une photo ce que ça rend. Je continue avec pour une maison qui sent bon. Alors je pense que ça doit être une sorte de tartelette ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas la forme des Yankee Candle, mais peut-être une autre marque. Et j'adore tout ce qui est tartelette. Et ça sent super bon. Peut-être la marque Village Candle, je sais pas. Je sais pas si on trouve au Canada, je pense que oui, mais peut-être une autre marque. Pain doré, caramel, pécan grillé, fête tropicale. Ah oui, tu m'as fait en fait un mélange de plusieurs tartelettes. Alors là, c'est la boîte des mélanges tropicales, mais du coup, tu m'as fait un mélange pain doré. Alors ça, j'ai hâte de tester parce qu'en ce moment, je suis trop dans les odeurs de pain chaud, etc. Oh là là, ça fait un mélange. Je vous dis même pas. Oh là là, le pain doré et caramel au pécan grillé. Oh, ça a l'air vraiment divin. Hein. Donc c'est de la marque Sensationals. Je vous remettrai ça ici, hein, parce que voilà. Et ça vient, je pense, du Canada aussi. Donc ça, c'est top. Merci. Mais là, t'as vraiment tapé dans tout ce que j'aime. T'es juste une dingue. Je continue avec ce petit truc-là qui est écrit BBMW. Donc je pense que c'est Bath and Body Works. Mais tu m'as déjà pris des trucs Bath and Body Works, donc il ne fallait pas en prendre d'autres. Et vu la forme, je pense que c'est une bougie. Oh, elle est trop cute. Elle est toute mimi comme ça. Et c'est la Cedarwood, citron Cedarwood. Ça sent super bon. Ça sent un peu une odeur masculine. C'est trop rigolo. Un peu le parfum de garçon. Mais j'aime beaucoup, c'est hyper doux. Hyper doux. Donc, bois de cèdre et citron. Donc, bah, ça a l'air hyper sympa. J'ai hâte de la faire brûler. Je te dirai ce que j'en ai pensé. Je vous dirai à toutes ce que j'en ai pensé si ça vous intéresse. Mais voilà. J'ai vraiment des abonnés. Je vous le dis tout le temps, des abonnés complètement dingues. Et là, vraiment, ils ont été. Virginie, elle a été juste folle. Et pour. C'est moment de plaisir avec le petit jeu de mots trop mignon. Ça, c'est un petit jeu de mots très sympa. Donc, je suppose que c'est du thé. Et j'adore le thé. Hein. Je pense qu'elle a compris. Je pense qu'elle me connaît par cœur, en fait. Et c'est ça qui est assez hallucinant quand on rencontre des gens, des abonnés. On fait de très, très belles découvertes. Mais elles nous connaissent mieux que nous, on les connaît. Par exemple, Virginie, je pense qu'elle me connaît vraiment bien. Et moi, bah, du coup, je vais apprendre à la découvrir avec mes mois. Et elle, je vois qu'elle me connaît vraiment bien. Vraiment, Virginie, je t'embrasse fort parce que là, elle m'a pris du thé célestial que j'adore. Mais j'en ai, je pense, une collection de fous. Et là, t'as pris des odeurs que je n'ai pas. Mais c'est juste une dingue. Donc, c'est une tisane. Et, oh là là, mais ça a l'air divin. Cranberry Apple Zinger. Donc, canneberge pomme. Zinger. Canneberge pomme. Alors, je ne sais pas ce que c'est le Zinger, mais je vais tester avec grand, grand plaisir. J'adore la marque Célestelle. C'est vraiment une marque de thé que. Voilà. Je sais pas. C'est vraiment le thé qui passe le mieux. Et là, alors, ça, c'est encore mieux. Une petite sélection de thé différents. De tisanes différentes, pardon. Donc, vous avez miel, vanille, peppermint, donc menthe poivrée, camomille. Le thé Sleepy Time, en fait, j'aime beaucoup ce thé-là, qui est en fait pour aller avant le dodo. Hein. Moi, j'aime beaucoup aller prendre mon petit thé comme les mamies avant le dodo. Hein. Et citronnelle, donc ça, voilà, c'est une petite composition de thé. Merci, 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 Virginie. Honnêtement, Virginie, elle me connaît trop bien, parce que déjà, elle a mis du thé, des bleues tartelettes, parce que je pense qu'elle sait que j'aime beaucoup ça, des petites sucreries, parce que bon, ça fait pas de mal, hein, de temps en temps. Un sèche-vide, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps. J'avais mis dans ma wishlist la Tangle Teaser, donc c'est une sorte de dupe. Des produits Bath & Body Works, et ça, voilà, pareil, j'en avais parlé dans ma wishlist, et j'adorais, dans ma dernière vidéo, dans une de mes vidéos produits terminés, bah, j'en avais parlé parce que j'avais adoré, donc, elle a pensé à ma petite chérie, elle a acheté du scrap, elle a tout est parfait, voilà.
Waouh, c'est juste trop beau. Merci, merci, merci Virginie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit paquet, mais je suis sûre que vous auriez reçu ça, vous auriez été hyper contente aussi comme moi. Voilà. Mais si vous connaissez certains produits ou certaines odeurs que vous avez testées déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et est-ce que vous connaissez le O. Henry? Allez, je vous fais plein de bisous et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Ciao!